Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, une nouvelle vidéo où il y en aura d'ailleurs un petit peu plusieurs qui vont succéder, puisque vous le savez, ça y est, Microsoft a annoncé l'arrivée du nouveau DLC qui n'a ni plus ni moins que trois nouvelles cives et la remodélisation d'une quatrième qui sera les Indiens, qui vont changer de nom. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de présenter déjà un petit peu les civilisations, en tout cas une civilisation en particulier, de savoir un petit peu ce qui va nous attendre, puisque vous le savez, hein, la sortie du DLC, c'est le 28 avril, d'ici 2 semaines. On l'a déjà précommandé à 9,99€, c'est un petit peu moins cher que les précédentes, et elle a l'air de valoir le coup. C'est peut-être la première DLC qui me hype un peu, et j'ai l'impression, globalement, il y a pas mal de gens qui sont plutôt contents de ça aussi. Donc, on va voir, après, trois nouvelles cives. C'est un délire, ça sera centré sur l'Inde. Et du coup, le retour, enfin le retour en force, j'allais dire, peut-être pas. Mais en tout cas, l'arrivée en force des éléphants. Avec du coup, des éléphants archers presque pour tout le monde, on va dire. Des éléphants un peu partout. Et vraiment des choses qui sont prometteuses. Donc bon, on va faire une vidéo par cive. Aujourd'hui, on va commencer par les Bengalis. C'est la première cive. Et on a décidé de commencer par elle pour la simple et bonne raison que vous allez le voir. On va basculer directement sur le site officiel. Voilà. Pour moi, on commence par elle parce que c'est la première sur la liste. Voilà. Mais pour moi, c'est peut-être la plus éclatée de toutes les trois cives. Mais bon. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Age of Empires nous a mis aussi l'arbre des technologies. On n'a pas le coup de tout. Mais on a déjà un peu qui fera quoi. J'ai fait traduire le texte parce que je parle pas très bien anglais, voilà, enfin j'y arrive, je me débrouille, tout ça. Mais ça sera plus simple d'avoir la traduction automatique, avec quelques défauts bien évidemment. En tout cas, bref, pour en revenir quand même à l'intérêt du délire, on va partir sur les Bengalis. Les Bengalis qui sont une civilisation concernant plutôt les éléphants et une civilisation qui est dite navale. Comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Une cive qui va pouvoir être potentiellement intéressante. On va pas lire tout le texte. Je vous laisserai bien évidemment aller lire ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'arbre des technologies. Et les technologies qui seront... enfin, les capacités, les compétences spécifiques de ces cives-là. Donc, éléphant, civilisation navale. Donc forcément, ça se répercutera, à mon sens, sur l'arbre des technologies. On devrait avoir une écurie plutôt développée, et puis bien évidemment un dock où on pourra tout faire. Alors, pourquoi éléphant et cive navale? Tout simplement, la première chose, le premier bonus sur cette cive qui est les Bengalis, c'est que les unités d'éléphant reçoivent 25% de dégâts bonus en moins et sont plus résistants à la conversion. C'est un petit peu comme les Siciliens. Avec les Siciliens, donc... voilà, on aura donc des lanciers qui viendront trouver toujours pas mal de dégâts, mais un peu moins qu'avant. Donc ça permettra de rendre des éléphants plus tanky. Et surtout, hein, surtout les éléphants s'y résistent un peu mieux à la conversion. Je sais pas ce que ça veut dire, si c'est de l'ordre des teutons ou pas, si c'est de l'ordre du scout. Mais ça sera pas inutile, parce que c'est vrai que le principal défaut des éléphants, c'est qu'un petit moine et vous êtes contré, quoi. Hein. C'est vraiment facile à gérer. Donc au moins... ça aura du sens à ce niveau-là. Autre tech très très intéressante. Les centres-villes génèrent 2 villageois lorsque le prochain arge est atteint. Et ça, je trouve ça assez insane, hein, pour de vrai. Parce que je me dis, sur des maps telles que Arena, des maps très fermées, avoir plus de villes gratos sans rien faire, c'est comme Malais, sauf que là, tu les payes pas. Ça, c'est vraiment très 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 cool. Les Chinois partent avec 6 villes aussi au start. Donc là, 2 villes par âge, ça me semble pas être complètement pété. Mais c'est un sacré, sacré avantage, mine de rien. On peut penser aussi aux Vikings qui ont brouette et charrette à bras. Donc voilà, c'est quand même une tech éco intéressante. Qui fera pas tout, parce que bah, y a rien d'autre apparemment en termes de tech éco. Mais ça peut avoir de l'intérêt, et je pense notamment à la map Arena. On verra en fonction aussi de l'arbre des technologies si c'est viable ou pas. Les navires régénèrent 15 HP par minute. Alors ça, du coup, pas de notion apparemment de passage d'âge. C'est 15 HP tout le temps. Donc, je pense que ça sera très très fort. Peut-être au Féo. Peut-être un peu moins l'Impérial, encore que. En tout cas, c'est quelque chose, un petit bonus intéressant. Donc pourquoi pas, ça explique un petit peu pourquoi cette cive est considérée comme navale. Alors là, on a par contre une nouvelle unité unique qui est introduite, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle cive. C'est le char unique Bengali. Il peut basculer entre les attaques de mêlée et à distance. C'est la première fois qu'on voit ça.
Ça veut dire que potentiellement le char peut se battre avec ses roues, j'en sais rien. Et il y a un mec avec des flèches derrière, j'imagine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fort contre l'infanterie et c'est faible contre les tirailleurs et les chameliers. Parce que c'est une unité qui reste montée, j'imagine. Et qui est en plus une unité d'archers qui se déplace. Une sorte de CA, on va dire, j'imagine. Donc on verra. On verra, on verra. En tout cas, c'est une unité unique. Donc, qui se produira donc par le château, j'imagine. Autre unité unique, l'Armored Éléphant. Unité de cavalerie anti-construction. Résiste à la plupart des attaques à distance. Unité faible contre unité de mêlée. Ne peut pas être convertie par les moines ennemis à distance. Donc ça, c'est du siège, les amis. Il faut considérer comme du siège. Je pense que d'ailleurs, ça se fera dans le bâtiment de siège. Donc voilà, on pourra le gérer avec des unités donc d'infanterie, j'ai l'impression. Même contre unité de mêlée. Donc oui, non, KTS, infanterie, ça va envoyer du steak et forcément tout ce qui va être de l'ordre des projectiles. Bref, c'est du siège quoi, c'est classique. Technologie unique, Palk, les unités ratas, éléphants attaquent 20% plus vite. Ça c'est intéressant quand même, mine de rien. Faudra voir l'intérêt des ratas, hein. Ça peut être très fort. Est-ce que c'est un nouveau... une nouvelle unité type Mangudai ou des choses comme ça. Il faudra voir un petit peu les bonus exacts et surtout le coût de la chose, combien de temps ça se masquerait. Mais en tout cas, avec 20% d'attaque plus rapidement, ça peut ne pas être dégueu, on va voir. Mahayana, les villageois occupent 10% d'espace de population en moins. Alors ça, c'est très simple. Vous êtes à 200 de pop sur Arena, on prend toujours le même exemple. 200 de pop à Arena, vous le cliquez, bam, ça veut dire que vous pouvez monter à 220. Encore que c'est pas tout à fait vrai, parce que ça considérait que vous ayez 200 villes. Là, on a 100 villes, donc en fait ça fait 210 villes. Au final, c'est un peu comme si vous jouiez Go et que vous aviez les 10 de pop en plus. Ça ira pas beaucoup plus haut, vous montez à 130 villes, allez, ça vous fait un tout petit peu, ça vous fait 13 places en plus. Voilà, c'est pas, ça me semble pas être une tech pétée, c'est comme les Go pour moi, à mon sens. Par contre, le bonus d'équipe. Avec les unités commerciales qui rapportent 10% de nourriture en plus de l'or, ça changera pas la face du monde. Mais mine de rien, une fois que vous avez un marché bien en place, ça peut vous permettre de gratter peut-être quelques villes en moins sur les fermes. Donc voilà, why not? C'est un bonus d'équipe en plus. Ça mange pas de pain, vous le couplez avec d'autres civs comme Espagnol ou des trucs comme ça là. Ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, hein, sur les premières infos qu'on a concernant les Bengalis, on va s'intéresser quand même maintenant, hein, à l'arbre des technologies, hein, qui va être, à mon sens, peut-être plus parlant. Donc, on retrouve, hein, ce qu'on a lu, hein, les 25% des éléphants, unité unique, les ratas, les bonus, etc. On va pas trop s'arrêter sur ça. Par contre, on va plutôt regarder, hein, déjà en type d'archer. L'éléphant archer, les amis, ça fait partie du nouveau DLC. Ça change un petit peu la donne. Enfin, la donne. On va pas parler nécessairement de donne, hein. Mais en tout cas, avec la Dynasty of India, on a l'intégration des éléphants archers un peu à tout le monde comme une unité. Type lancier, éventuellement lancier des steppes, des éléphants de base, les eagles pour certains autres. C'est du coup dans un bâtiment de prod standard, à plusieurs, accessible à plusieurs civilisations, donc je pense toutes les civs indiennes. Et donc l'éléphant archer, il faudra voir combien il coûte. Est-ce qu'on réduit son prix? Est-ce que c'est toujours le même? Ça sous-entend aussi que du coup les Indiens qui vont être remodelés n'auront plus éléphant archer en unité unique. Mais ça, on reviendra dans une prochaine vidéo, bien évidemment, pour parler d'eux. En tout cas, ce qu'on perçoit, c'est que d'un point de vue archer, pas de CA, pas de canonnier à main, ça c'est quand même important. Canonnier à main, ça peut être très très fort. Par contre, tactique part, mais pas de bague de pouce. Tactique part, mais pas de bague de pouce. Ça veut dire que bah, les arbas vont être pas mauvais. Mais voilà, à l'instar des vikings, pas de bague de pouce, ça peut être embêtant. Donc voilà, joue archer. On verra en fonction de la forge, bien évidemment. Et d'ailleurs, on va aller voir la forge tout de suite. Je pense que c'est le plus intéressant. Du coup, les archers, ils ont tout. Ok, brassard, on a la dernière up de def. Donc il manque que bague de pouce. Donc les archers, c'est viable, mais c'est pas incroyable. Donc ok. Les éléphants, du coup, archer, tactique part, donc pas de bague de pouce. Par contre, on a bloodline, heureusement, enfin bon, heureusement encore sur des éléphants, c'est pas les PV qui manquent. Par contre, on a élevage avec. Et en termes de forge, on a toute la def. Ok, ok, très bien, je vois, il n'y a pas de souci. On a du coup toutes les techs sur les éléphants, ils pourront être full up. Par contre, on le voit, hein, pas de KTS, pas de chameau.
Et même pas Hussard. On a juste de la Laïcave qui sera performante parce que, bah, voilà, on a quand même ligne de sang, élevage et toutes les techs sur la cavalerie. On a une bonne Laïcave, ça, y a pas de problème. Pour le reste, voilà, faudra jouer éléphant, quoi. Donc, bon, je doute que ça soit quand même très très fort, hein. Bon, même si on a pas mal d'hommes dessus, voilà, ça m'interroge. En tout cas, la caserne, les amis. On va regarder un petit peu les casernes. En termes d'infanterie, on a l'air d'avoir pas mal de... Ah, on n'a pas supplies. Ça, c'est embêtant, hein. Ça veut dire que jouer champion, ça va pas être fou, hein. À l'instar des Chinois, pour contrer éventuellement des Eagles, ça aura un prix, hein. Ça aura un prix, donc bon, ok. Pas de supplies, par contre, on a Albardier, on a champion. Ok. Bon, bah écoutez. Bon, en tout cas, écuyer et brasier. En termes d'up, on n'a pas le dernier up de def. Donc en vrai, infanterie, c'est non. Cavalerie, à mon sens, c'est non. Et archer, c'est pas fou. Voilà, ça se précise. Ça se précise comme Sive. Sive, hashtag potentiellement éclaté au sol. En tout cas, de prime abord, c'est ce que je dirais. Par contre, ce qui est intéressant et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'atelier de siège, les amis, où on va avoir la disparition des béliers pour cette Sive-là et l'apparition du Armored éléphant. Éléphant en armure et l'éléphant de siège. Donc ça, voilà, c'est une sorte de bélier. On verra quel prix ça coûte, si vraiment c'est performant ou pas. Et quels techs seront possibles d'ajouter dessus, hein? Ça va être aussi une interrogation parce que, vu qu'il y a le terme éléphant, est-ce que les techs, éléphant unit resave, 25% de dégâts en moins, voilà. Est-ce que ça c'est pris en compte? J'imagine que oui, il y a le terme éléphant. Est-ce que élevage ça va être pris en compte? Est-ce que ligne de sang ça va être pris en compte dessus? Est-ce bien une unité montée? C'est ça la question. Donc ça on le saura un petit peu plus tard, je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. En tout cas, si ça l'est, avec les éléphants qui attaquent 20% plus rapidement, ça peut bombarder. Ça peut bombarder. Faudra voir à quelle vitesse ça se déplace aussi. Ça sera en prenant en compte. En tout cas, on aura Onagre, on aura Scorpion lourd et bien sûr la petite tour de siège importante. Mais pas de canon à bombarde. Pas de canon à bombarde. On se rappelle, on parlait tout à l'heure de. Je disais, c'est peut-être pas dégueu sur Arena avec les villes qui pop. Pas de canon à bombarde. On a une écurie. Voilà. Peut-être pas fifou, on a un siège, on verra ce que ça donne, mais ça me semble quand même pas tonitruant. On a des archers qui sont pas incroyables, on a une infanterie daubée. Ça ressemble à quelque chose d'un peu dégueulasse quand même, on va pas se le cacher. On a quand même expert de siège, heureusement, mine de rien, on a quand même ça. Ok, bon, on reviendra là-dessus plus tard du coup. On va regarder maintenant un petit peu, donc la forge, on a fait un petit peu le tour. On a quasiment tout sauf l'infanterie, la def. C'est quand même pas négligeable. En termes de civ naval. On a, ok, on n'a pas tout. Il nous manque juste démolition lourd. Donc c'est ok. Je sais pas pourquoi on l'a retiré particulièrement de démolition lourd, mais ok. Pour le reste, on a tout. On a les techs les plus importantes, hein, avec notamment, ben, j'ai perdu le nom, mais en tout cas, ça va permettre de payer si on arrive à se le payer tous les navires moins chers. Donc ça, c'est presque le plus important à l'impérial. On a fast fire ship. Très important, on a Galion. Donc voilà, avec les HP qui se récupèrent en plus, on forcément, voilà, jouer l'eau, ça sera plutôt intéressant sur des maps hybrides avec cette cive. Maintenant, bon, je la trouve très pauvre. On va regarder un petit peu l'université. On a quasiment tout sauf les tours de bombarde. En même temps, on n'a pas canon de bombarde, on n'a pas canonnier à main. Voir les tours de bombarde, ce serait quand même un peu curieux. Mais pour le reste, on a tout, donc c'est ok. Du coup. Je pense, quand on regarde le château, on a donc on a donjon, ouais, why not? Quand on regarde le château, ah, on n'a pas la tech éco, on n'a pas la tech éco artificier, ça c'est terrible. Plus sérieusement, par contre, on a les ratas. Alors, si les ratas c'est très très fort, on pourra peut-être miser dessus et partir dessus. Donc là, voilà, je pense que la scie va être évaluée notamment à son unité unique, parce que pour le reste, c'est pas fifou. Je doute même avec les ups que les éléphants ça soit une nouvelle méta prochainement à haut niveau, on verra, mais bon, on verra dans 2 semaines. Ça semble quand même pas incroyable en tout cas là-dessus. Donc bon, nous verrons, nous verrons, nous verrons. En tout cas, cette unité-là, elle a intérêt d'être solide par contre, parce que sinon, vraiment, je pense que personne ne la jouera, j'ai l'impression, cette cible. Donc on verra. En tout cas, conscription, on a les deux techs dont on a parlé tout à l'heure. En termes de moines, on a absolument tout sauf hérésie.
Hérésie, bon, on la fait pas toujours. Mais c'est vrai que sur un mon crush, ça peut vous sauver la vie, Hérésie. Donc là, on l'aura pas. On aura tout le reste par contre. Donc des moines plus que ok, hein, on va pas se plaindre. Hein. Rédemption, c'est le plus important presque. Sainteté, etc. Donc c'est ok. On a des bons moines, théocratie, etc. Illumination, donc c'est ok. Voilà. En termes d'up écho, on a absolument tout d'utile. Voilà, je vais le dire comme ça, on a absolument tout d'utile parce que, bon, puits de forage de pierre, pas se le cacher, on s'en balèque. On s'en balèque un petit peu, ça sert à rien comme je vous l'ai dit, hein, je vous encourage à aller voir du coup ma vidéo, hein, bien évidemment sur les tech echo. Mais puits de forage de pierre, c'est inutile, donc on a tout ce qu'il faut. Donc c'est ok. Bon, et bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la cive, hein. On a un peu tout vu, me semble-t-il. Donc, pour résumer, ça me semble un peu éclaté au sol. Les Bengalis, ça sera pas pour moi. Je passe mon tour. Je vous les laisse, sans problème. Ça a l'air à chier. C'est ma conclusion. Attendons de voir l'unité unique. Attendons de voir à quel point ça a été boosté les éléphants. Mais si on doit jouer éléphant, éléphant archer, vous avez intérêt de jouer sur map fermée et d'avoir une bonne écho. Parce que sinon, ça va être très très compliqué à assumer quand même cette chose-là. D'un point de vue naval, c'est ok. C'est même plutôt pas mal avec la récupération de vie. Donc pourquoi pas sur des maps hybrides, ça peut avoir peut-être de l'intérêt, sur une 4 lacs peut-être, je ne sais pas. Maintenant, encore une fois, rien de fifou quand même, hein, donc je la trouve un peu éclatée au sol. On rappelle, de toute façon, elle va sortir, et après je pense qu'il y aura des ajustements à gauche, à droite, en fonction de ce que ça donne aussi à l'utilisation. Mais en tout cas, voilà. Ma première conclusion, c'est que cette cive-là, elle ne m'emballe pas. On verra du coup dans des prochaines vidéos, hein, bien évidemment, les deux autres cives et même la refonte des Indiens. On en rediscutera, on essaiera, je vais essayer de vous poster ça très très prochainement. On va essayer de tout faire dans la foulée parce que ça me hype et ça m'intéresse énormément. Surtout que les autres cives seront bien plus intéressantes. Donc je vous encourage, hein, à aller voir la prochaine vidéo qui devrait arriver très très vite. En attendant, du coup, on va s'arrêter là. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Ça, je vous le dis tout le temps, je vous saoule avec. Par contre, vraiment, je compte sur vous pour mettre des commentaires. Pour voir ce que vous en pensez. Quelle est votre analyse? Parce que moi, j'ai un regard mais qui est peut-être un petit peu pas objectif, biaisé. J'ai peut-être oublié des éléments, peut-être des choses que je n'ai pas vues, que j'ai mal interprétées. Donc je compte sur vous, hein, pour me donner un peu votre ressenti par rapport à ça. Ça sera très intéressant d'en débattre du coup dans les commentaires. En attendant du coup, je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui arrive du coup très très vite. Hein, parce que voilà, on va faire toutes les cives assez vite. Ça a piqué mon intérêt, donc let's go. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les aliénés, ciao ciao.